Yo. Yo. Tu rap avec MC Petrizol, Petrouchka. MC Petrouchka. Hey, hey. MC Courez, Courez, Courez. Vous n'aurez pas ma peau. Panard en éventail face au Vercors depuis un mois déjà. Vercors, hardcore. Yo, yo, les gens, c'est parti pour le confinement. À mes mères d'ici, c'est déjà le printemps. Je me suis calé, je bouffe un plat de nouilles sur la terrasse. Je vais digérer, je suis ouf, avec juste les couilles qui dépassent. En transpiration, c'est nul, après une heure au soleil. Stupéfaction, mon coloc en pull, j'avais juste 40 de fièvre. En plein mal-être, mon gars, je redeviens hypochondriaque. Plus de thermomètre à la pharma, putain, mais quelle arnaque! Je sais pas quoi faire à part me perdre dans la neurchisphère, bordel, en pensant à ceux qui meurent sous respirateur artificiel. Je te remercie pas, Covid-19, encore un mois, je pourrais peut-être reparler à une meuf. Corona, Corona, dès que j'allume mon tube cathodique, c'est sur ça, les médias veulent nous rendre psychotiques. En ces temps d'épidémie, j'ai l'impression d'être revenu en enfance. Pour chercher du pain de mie, y a besoin du carnet de correspondance. Chacun, ma foi, se retourne lentement sur l'absurdité du vide. Dans un mois, la route tourne, on verra sûrement la beauté de la vie. C'est le début du confinement, je passe mon temps à perdre mon temps. Une journée de plus en moins, merde, ça fait 2 jours que je suis dans mon bain. Je fais les 100 pas dans mon box. Mon frère a un abonnement Netflix, mais j'ai toujours pas de livebox. BFM sur les ondes, Pornhub pour tout le monde. Covid-19, c'est l'hécatombe. Les Chinois, toujours meilleurs fabricants de bombes. Haha, confiné, t'inquiète, je sortirai. Papier d'attestation, pas de soucis, monsieur l'agent, je suis de bonnes intentions. L'attente n'a pas de fin, je peux même pas sortir, pire que dans un jour sans fin. L'ennui me donne faim. Je sais plus si je mange pour combler le vide ou parce que j'ai faim. Esprit tiraillé, je dois choisir entre méditer ou complètement dérailler. Les allers-retours à Carrefour, je vois des meufs belles partout alors que ça fait que 3 jours. Confinement, confinement, je me rappelle même plus comment sont les gens. Épidémie, épidémie, je crois bientôt que j'ai plus d'amis. Je suis sur les nerfs, j'ai même plus la force d'être vénère. Sur ma ville, Covid, me rappelle que j'ai peur du vide. Le confinement a fait oublier à mon corps qu'il pouvait se mettre en mouvement. Sorti de l'espace-temps, je sais même plus si je suis vivant. Comme à la pêche, j'attends une touche. Posé en terrasse, je me rappelle même plus de ma dernière douche. Hier, je faisais des pompes comme un dollar. Maintenant, je suis scotché au canapé comme un molar. Les meufs changent de trottoir depuis que ma bave atterrit sur mon bavoir. Un mois sans se voir, chérie, la vie c'est pas une série. Je vais être obligé de regonfler poupée Monique. Elle parle pas, mais elle a une bonne plastique. Je comprends pas pourquoi je prends du bide. La méditation était censée me faire faire le vide. T'as rien foutu de l'année, t'auras pas le bac. Ta mère prépare déjà son meilleur tacle. La première semaine, j'avais des projets géants. Au bout d'un mois, autour de moi, c'est le néant. Je pensais vraiment sortir en un rien de temps. Mais attends, c'est pire, ça fait un mois ou un an. 2020 ou 2042, mardi ou mercredi. Je t'assure, mon neveu, je sais même plus où je suis. Facebook, Netflix, WhatsApp et toutes ces arnaques. Je commence vraiment à en avoir ma claque. Toujours la même journée, inlassablement répétée. Mon corps confiné retrouve maintenant un esprit libéré. Des années de réseaux sociaux et des publications par millions. C'est vrai, j'avais tout faux, j'étais un pion sans imagination. Qui suis-je vraiment dans cette errance, que puis-je? Ah oui, j'y suis, le confinement anéanti l'arrogance et le prestige.